bien, salut à tous et bienvenue, je suis Link le Geese pour vous servir et je suis en compagnie de Mali. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, mon anniversaire est passé et tout à la sortie de cet épisode, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai été gâtée, tout ça. Non, je plaisante, en fait, je sais pas encore parce qu'on tourne cet épisode avant mon anniversaire, du coup. Ouais, la magie d'Internet, tout ça. Et du coup, on reprend sur du Final Fantasy Type 0. Là, bah, on était en train d'aller capturer la ville de Rilochi. Pourtant, on tourne à la suite, hein. Ouais, mais attends, c'est Rilochi, c'est où t'as vu une ville avec un nom pareil? Bah, lui, hein. Enetsu. C'est pas un nom pour un monstre, ça. Par contre, c'est costaud, machin. T'as vu, il fait combien sans cœur? Ok, Par contre, il est en train de te rouler dessus, pas comme les sans cœur. C'est pas des monstres obligatoires, en fait. Je suis en train de regarder. Oui, bah, dans ce cas, t'embête pas, hein. Mais sinon, j'aime toujours autant cette zone. Ouais, non, c'est classe. Bah, c'est la seule qui change vraiment depuis le début, en ouais. fait. C'est vrai. Généralement, les zones de capture, c'était toujours... le même fort bizarre. Ouais, elles se ressemblaient toutes étrangement. Oh, ils sont classe. Des bonbons de glace. Ah, lui, par contre... Ouh, ouh, ouh. Bonjour. Bras d'acier. Ah, c'est lui. Ah, ça fait quoi? C'est Fifi. C'est Fifi bras d'acier. Oh là là. Ok, je m'en vais, c'est bon. Tu sais que j'aurais pas pensé avant de lire son nom à voix haute. Mm-hmm. Bah, j'ai vu son nom tout à l'heure dans le menu d'options. Non mais en le voyant, j'y pense pas sans le disant. Tu vois quand tu dis bras d'acier. Ouais ouais. Oh, il s'est barré. De toute façon, y'a que les vieux qui reconnaîtront cette référence. Mais... Oh, il nous fait une coupe au bizarre, hein. Il a fait coup popo. J'ai vu. Depuis quand ils font coup popo? Depuis qu'il y a des dragons qui se réunissent sur la place centrale. Est-ce que c'est déjà arrivé dans d'autres FF de faire coup popo? Oh, c'est Xerné à soi le truc. Est-ce qu'on sortirait la grosse artillerie aujourd'hui? Ouais, si tu veux. Parce t'as qu'ils vu, sont... c'est un mélange de Xerneas et Yvelta là, franchement. Ah ok, je peux pas aller là. Bon, on va peut-être pas sortir la grosse artillerie de suite. D'abord, tuer celui-là. Je trouve pas sinon pour mon mélange. Ah, oh, si. C'est marrant quand il tombe plus. Je suis tout à fait d'accord, c'est... Il est beau. Ah, je peux quand même aspirer même s'il est tombé là. Il est où? Non, pas lui. Je veux l'autre. Oh, il est classe aussi. Ah. Bon, oh, attention, il savait pas viser donc... Oh, il est tellement beau. J'avoue qu'il est classe. Je veux le même. Ouais, on va avoir du mal à rentrer dans le salon. Hein. Dans notre petit appartement, tu sais. Oh, il est classe. Oh. Bon, bah désolé, Ace. Ah non, désolé. Ah non, je l'avais. À toi. Je vais l'avoir, hein, vous inquiétez pas. Ah, la voilà. Deux. Au revoir. Non mais moi je veux pas que tu tues cette bête, elle est trop belle. Je m'en fous, je suis Odin. Bon d'accord, il est stylé aussi. Zantetsuken. Ulia. Raté. Alors ça c'est quand même dommage. Oh, ça va Odin niveau 49. Ouais ça va. Il vient de prendre un niveau. Easy. C'est nul. J'ai la classe ou pas? Grave. J'ai la méga classe ou pas? Grave. Et donc j'ai vu que par contre, quand on faisait le Zantetsuken, il se chargeait. Ouais. Mais là t'as pas les pourcentages. Ah si. On peut quand même bouger. Bon, est-ce que genre si on arrive à 100%, il meurt automatiquement? Peut-être. Bon en fait je me demande si t'es pas obligé de le mettre à 100% pour pas qu'il rate. Ouais, parce que là j'en ai fait un 15% et ça a fait rater, donc c'est très probablement ça. Puis je m'en fous, je suis Odin alors. D'ailleurs, il va partir Odin. Ouais. Et on termine la mission là-dessus. Ah, coucou Deus. Du coup, bah non. Ah bah salut Deus. Pourquoi pas?
On est où là? Bon, on a bien fait de quitter l'épisode la dernière fois du coup. Ouais, alors du coup. Bah, Ace, ce sera plus pratique là. Ouais. J'hésitais entre King et Ace en fait, mais je pense que Ace sera mieux puisqu'il a une vitesse d'attaque un petit peu plus élevée. Bah donc, ce sera plus tranquille pour esquiver vu qu'ils ont un niveau assez élevé maintenant quand même. Oh, je m'en fous, j'ai fait une garde. Pas besoin d'esquiver. Et là, ça, bon, ça a rien à voir, mais ça me fait beaucoup penser à la route du dragon dans Dragon Ball Z. C'est une route qui a la forme d'un corps de dragon en fait. Mais ça me fait penser à ça, il y a des nuages autour. Bon, il y a de quoi, hein. Mais il attend sagement, t'as vu? Ouais, il est bien. Franchement, il a été bien élevé, hein. Ouais, il est bien ce petit, hein. Je veux le même. Non, moi je veux l'autre. Le mélange d'Yveltal et Xerneas. Sinon, ça va les trucs de soins tous les 10 pas, là? Bah, c'est au cas où si on n'a pas le niveau, parce que ça, ça nous soigne en 999. La vue est sympa d'ici, n'empêche. Ouais, ça va. Ouh, là aussi. Ouais. Ça a l'air dangereux là où on va. Mais non. Et là ça fait penser au pont dans KH. Dans BVS. Pour aller dans le château. Ah oui, c'est vrai, bien vu. Le pont Apex. J'avoue. Ah, bon bah. Oh. Une mort. Coucou Darius. Non, ça aurait déjà été écrit un sacrifice. Ouais, c'est ça. Un œuf de croissance. Une flûte baroque. Trop bien. T'es content, hein? Ouais, carrément. J'en étais sûr. Comment tu peux même pas sauvegarder, quoi? Nope. Suzaku-gun wa Concordia Shitomade no Shinkou ni Seikou suru mono no Souryu to Hoshihime niyoru Roujou sen ni Kanzen na Chouri wo Osameru koto ga dekinakatta. Genre, on est tenu en échec. Mais ma mo Peristylium Souryu wa Rojoshitamama, Kofuku au Sengens. Souryu et no mon au Hirakanu Kofuku ni Taishi. Suzaku Hachiseki Kaiwa, Tomadoi au Misetaga. Sudeni Concordia au Kokuni, Hanko Su Sengyoku Nashi to Handa. Shori Sengen au Okonata. C'est très louche. Non. Et où est la bestiole que le roi a dit « Ouais, invoquez-la, tuez tout le monde, tout ça !» Cette Suzaku niyoru Oriense Toitsu e no shogai wa Peristylium Byakko o chūshin to shita Iltes shito o nokosu nomi to natta. Oui. Je veux. Du coup, on va s'en regarder là-dessus. Ouais. Et on continue. Ah bon? Genre comme ça, tranquille. Genre retour à la maison, pépère, tranquille. Bon bah pourquoi pas. Ils auraient pu te ramener plus près, hein. J'avoue. Et la prochaine mission est de niveau 36. Donc je pense qu'on est encore dans la marge. Pour l'instant tu restes comme ça? Ouais. Parce qu'on s'est prévenu si jamais un jour on fera une ellipse, avoir une mission. Ouais, si jamais... Vu qu'on peut faire ça qu'en étant libre dans l'académie. Ouais. Par contre, une chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir notre chocobo. Oh. Allez, curie. De toute façon, t'approches la fin du jeu, donc c'est même pas la peine d'en refaire copuler, je pense. Non. Et il a toujours pas éclos. Ah si, 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 je l'avais pas aussi. Autant pour moi, autant pour moi. J'avais mal... Oh, tio, pocho. 7 bébés. Bah oui, je sais qu'ils sont nés, ils sont là. Ils sont trop mignons. Non, moi j'adore ceux qui te suivent et qui tombent sur leur cul. Ouais. Pouic. Pouic. Bon, bah, je pense que c'est la dernière fois que nous avons vu ces que nous voyons ces chocobos. C'était la dernière petite scène mignonne du jeu. Voilà. Et du coup, eh ben, on va faire avancer l'horloge. Eh mais c'est dans ce jeu qu'il les bouffe. Oui, c'est dans ce jeu qu'il les bouffe. Qui veut du poulet? Ah non. Et t'es allergique au poulet, du coup t'es allergique au chocobo en fait.
Probablement. Oh, sacrilège. Alors, la prise de la capitale impériale. Avec plus de la moitié de ses forces tombées à Azur, l'Empire n'a pas pu empêcher le Dominion d'envahir Ingram, la capitale impériale. Les forces impériales dans la ville refusent de se rendre, allant jusqu'à opposer une résistance féroce aux troupes du Dominion. Les pertes du Dominion atteignant un niveau inquiétant, l'état-major décide d'envoyer la classe 0 à Ingram en affrétant un vaisseau. Ça me va. Ça me fait penser à Ingram. Moi aussi. J'ai failli dire Igaram quand j'ai vu. Et du coup, le mec en fait des missions, il me fait penser à quelqu'un dans One Piece, mais je sais pas qui. Lequel? Lequel? Parce que du coup, je me disais toujours que sa tête. Merde, il est plus devant aussi. Il est plus. Je me disais toujours que sa tête me disait quelque chose d'ailleurs, mais. On regardera au replay, écoute. du coup, c'est à l'amphi. Non. Ouais, non. Non, c'était là où j'étais. C'est bizarre ça. C'est bien là. Ouais, c'est là. Ah bah oui, il est là. Vous êtes enfin là. Ceci dit, même sans votre aide, cette bataille est gagnée d'avance. L'Empire vit ses derniers instants. Pourquoi je m'embête alors? Pourquoi vous me faites venir hein? N'oubliez pas que c'est l'armée de Rebrum qui influence le cours de cette guerre, pas vous. Bah, si tu veux, reste ici, nous, hein. Si c'est clair dans vos esprits, allez prendre vos instructions auprès de votre Mog et essayez d'être un minimum utile pendant cette dernière bataille. Faudrait savoir, on est utile ou pas? Parce que dans ce cas, ça sert à rien de nous déranger, hein. Non, parce qu'il nous dit clairement qu'on n'est pas utile, mais à la fin, il nous dit « essayez d'être utile ». Ouais. Tout va bien. Alors, Petit Mog, il ne reste plus que la capitale de Militès à prendre. Avec le là, bon, sont là. Alors, cette mission consiste en une attaque aérienne. Vous décollez depuis l'aérodrome. Ouais, bah oui, ça je sais. On en fait des allers-retours dans ce jeu. Tellement. Il y en a, ils sont pas utiles quand même. Je suis d'accord. Bon, des fois, il y en a, c'est moi qui les fais parce que je me plante d'endroit, mais... Oui, ceux-là sont pas utiles non plus, d'ailleurs. Hein. Ceux-là non plus sont pas utiles. Ah. Bon, tu vas nous dire quelque chose aujourd'hui? Tu vas faire quelque chose d'intelligent, pour une fois? Oh, mais bon, toi. Il fait déprimer, ce mec. Classe 0 no 1 ni natte. Sore kara. Et je suis devenu con. Dou shite kimi wa kōhōsei ni natta? E? Sore wa Agito ni naritai kara. Agito ni nareba muryoku na jibun to ketsubetsu dekiru. Mura no minna o sukue nakatta jibun to. Fushigi da na. 俺もレムと同じ理由でここへ来たのに。わからなくなった。ジェネジス、セフィロス、mais en moins classe。クラスゼロ。俺の居場所はここじゃない。Oui, bon, on n'est pas dans Crisis Core, mais la musique, voilà quoi. C'est vrai. みんなで助け合ってここまで来たのに。助け合って。Si t'arrêtais de faire ton persécuté, peut-être que les autres voudraient bien t'aider, hein. 俺はずっと助けられ続けてきただけだ。マキナ。でももう違う。俺はレムを守れる。俺は決別したんだ。口先だけの自分と。もう心配いらない。マキナ、何か悩んでるなら私やクラステロのみんなに言って。そろそろ戻った方がいいよ。風が冷たくなった。Ah. En fait, bonne nouvelle. Coup, ça va toi? Ouais, tu t'inquiètes, tout ça. On s'en fout quoi.
Bon, du coup, direction l'aérodrome. やはりあの敗北がきっかけとなり、ここまで追い詰められたか。いよいよ出撃しやがるんですか、順将。貴様、その口の利き方は治らんのか。生まれつきなんで治りはしませんね。適当なこと。スザクの部隊が近くまで来ている。戻るのなら好きにするがいい。 お断りだな。なんだと。これでも捕虜から下僕にしてくれやがったこと、飲みの心くらいは感謝してたりしてなかったり。 Bah, c'est la question que je me posais. J'ai attendu longtemps avant de poser la question. Dans ma tête, je me suis posé 36 000 questions à la minute. C'est la timide. C'est fait buter. Bah. Dune, à lui, elle ressemble beaucoup. Mais elle s'appelle Aria. Et j'étais en train de me demander par rapport à son nom. Ouais. Oui, moi aussi, j'ai eu un trou de mémoire, je me suis dit, attends, si. Si c'est le cas, bah ça expliquerait pourquoi on la voit plus, puisqu'elle est, elle a dit que c'est lui qui l'avait recueilli. Ouais. Du coup, ça collerait bien au fait qu'elle ait été envoyée à Rebrum pour servir d'espion. Ouais. Ce serait une possibilité. Ouais, mais nous, on pensait qu'elle revenait pas parce qu'elle était morte en fait. Oui, mais en fait non. Du coup, vous serez projeté au-dessus de la capitale militésienne. Vous êtes prêts? Ouais. C'est le même. Montez dans le vaisseau et que le cristal vous guide. Alors ça, ça m'arrange pas du tout, ça. Bon, au pire, tu t'embêtes pas, hein. Tu mets Ace en premier et les deux là dans l'équipe, au pire, quoi. Au pire, ouais. S'ils sont trois. S'ils sont trois. Du coup... Ben, j'ai bien envie de repartir avec Odin, perso. Ouais. De toute façon, à part Ifrit et Odin, les deux autres, tu m'excuseras, mais... Bah, je sais pas, je trouve ça classe, mais au final, tu fais pas grand-chose avec. Hein. Elle était pas mal. Elle aurait pu être un petit peu mieux, je pense, mais elle était pas trop mal. Parce qu'après, elle est classe, mais elle est moins utile. Bah, c'était bien de pouvoir geler des zones entières. Ah, je peux tourner la caméra. Trop bien. Ouais. Un vaisseau à hélice, ça vole aussi vite? Bah oui. Surtout qu'elles ont pas l'air d'aller très vite, les hélices. Quoi. Grave. Ce que j'allais dire, il y a des flammes partout, je pense que c'est là qu'on atterrit. Hello. La meilleure musique. Je suis d'accord. Tu vas tuer Igram. Hey, il fait son ninja, mais un truc de vache, comment t'es rapide, mec! Mais moi, j'ai des esquives de ninja. Ah, raté. Oh, il donne le tournis, lui. Si vous avez envie de vomir, c'est normal. C'est pas nous, c'est le jeu. T'as vu, fait qu'on est Transformers. Il change de forme et tout, t'as vu ça? Il arrête de bouger à un moment? J'aimerais bien pouvoir faire venir quelqu'un d'autre, mais pour faire ça, il faudrait que je lâche la touche d'esquive. Il va être chiant, lui. Il va être très chiant. Thank you.
Oh, il fait mal en plus. Oh ouais, non, mais j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Ouais, ça y est, ça. Wouhou! N'en mourrez pas! Ouais, non, mais même là, je pense. Oh, il va trop vite pour ça, ils sont faits. Il va beaucoup trop vite pour ça, ils. On est obligé de le tuer? Ah, je sais pas, t'es peut-être obligé de crever comme la dernière fois avec Gilgamesh. Hein. Je pense pas, vu son niveau. Sinon, Trey, tu fais quoi? Il regarde. Ah, si, quand même, il attaque un peu. Mais. Lui, il nous dit qu'on est trop lent. Et qu'il s'en doutait. Non, mais moi, je pensais pas que tu irais si vite. Wouhou! Ouais, bah vas-y, si tu veux, vas-y. On est censé faire comment, là? Il va vite pour tout le monde, là. Bah ouais. Je crois que Shiva aurait été utile, là. Non. Elle est rapide, mais pas assez précise pour lui, je pense. Prends un mec random et utilise Odin. Ouais. Vu que tu peux bouger pour charger les antépicons. C'est vrai. Au pire. Tiens-toi. Par contre, est-ce que tu vas bouger assez vite? J'espère. Même en le chargeant, il reste à 0%. Je pourrais pas l'avoir avec ça. Tu lui auras fait un peu plus de dégâts. Ouais. 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 Ouf. Ouf. J'ai rien que tu puisses faire sur la zone de combat. Bah non, il y a absolument rien. C'est quand même bizarre. Épreuve personnelle, donc je m'en tape là. Je m'en fous des défis là pour le coup. Je vois, je me suis dit, ce sera peut-être dessous au moment où je vais atterrir. Genre, il m'a touché en pleine esquive. Je suis censé faire quoi? Il te troll en plus, il demande qu'est-ce que tu vises. Bah toi, espèce de con. Oh mon dieu. Non mais c'est possible de toucher quelque chose qui va aussi vite? C'est le jeu qui est bugué ou c'est quoi là l'histoire? C'est rien. Je trouve ça très bizarre en fait. N'est-ce pas? Et surtout qu'il fait super mal quoi. Bah ouais. Et puis là, bah. Donc ça confirme l'idée qu'il faut le tuer? Ben on va retenter. Bah écoute, ouais, de toute façon, il reste ouais, 5 minutes. Mais... on va tenter, je sais pas ce qu'on peut faire, je sais pas. Sinon, là, on n'aura pas le choix que de reprendre notre dernière sauvegarde, nous, et de... Ouf. Bah, tu veux qu'on quitte là?
Ouais, bon, bah pour le coup, ouais, on va s'arrêter là, parce que là, on va taper tous les dialogues et tout. Donc, c'est la merde. À nous, je pense qu'on va pex de notre côté, pour pas relancer tous les dialogues, on se dira bonjour pendant le combat. Ouais, on se retrouvera au combat, ouais. Ouais, ouais. Je vais essayer de voir s'il y a moyen d'améliorer quoi que ce soit arme, armure ou quoi que... Je sais pas quoi. Et puis, on se retrouvera devant... On se dira bonjour dans l'action. Exactement. Alors si ça part en couille dès le début de l'épisode prochain, c'est normal. Vous êtes prévenus. C'est ça. Enfin bref, j'espère que hey, c'est notre premier game over. Ouais. Oh, à la fin du jeu quasiment. Ouais. Bon, ça va. Ça va. L'avant-dernière mission. Ouais. Ou, enfin, l'avant-dernier chapitre du moins. En tout cas, oui. Bon, on sait pas ce qui se passe à la fin quand même, spoilez pas, on oui, s'est juste renseigné sur le nombre de chapitres. On a juste regardé le nombre de chapitres pour faire notre découpage, comme d'habitude. Hein. Enfin bref, j'espère que ce premier game over du jeu vous a plu. Ce sera le titre de l'épisode. Peut-être. Ou alors on gardera la surprise. En fait, c'est pour ça on blablate pour que l'épisode fasse 30 minutes et comme ça personne ne se doute de rien. Bon, tu sais, 25 minutes, on a fait des épisodes plus courts. Hein. C'est vrai. Donc... Du coup, j'espère que quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Et à nous suivre sur Twitch aussi. Et exactement. Attends, maintenant je vais faire ma promo Twitch aussi. Hein. Oh. Pour suivre Lily en jeu et tout, venez sur Twitch. C'est Lily par en live. Alors pour ceux qui demandent, il y a toujours tout dans la description de toutes les vidéos, peu importe. Hein, et toujours tout dans le à propos, soyez curieux, cliquez un peu partout. Voilà, cherchez un petit peu, il y a tous les liens, tous les liens utiles. Et pour le coup, je sais pas si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si notre contenu vous comment plaît. Comment elle te pousse. Ouais, en plus c'est nul parce que j'ai essayé de me mettre les trucs qu'il y a sur le mur, voilà, je les mettais autour de la tête. Je les avais bien mis et en plus ça m'a poussé, donc j'arrive plus à les remettre. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et nous, on va se retrouver... Peut-être. Mais oui. Non, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt tout le monde. Mais d'ici là, vous le savez, portez-vous bien et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.